Coucou les filles, donc voici un tuto dédicacé à Christine. Donc en fait voilà, elle a une soirée sur le thème du Brésil et donc voilà, hein, j'ai repris les trois couleurs principales du drapeau, donc le jaune, le vert et le bleu. J'ai fait un cut de crease et un eyeliner coloré, donc quelque chose, bon moi je le mettrais bien en journée, maintenant pas tout le monde le ferait, mais voilà ce que ça donne. Donc pour commencer j'ai mis la Shadow Insurance de Too Faced, ensuite j'ai mis un petit morceau de papier collant pour pouvoir avoir un traçage nickel, hein. Voilà, donc conseil avant le faire coller sur un pull et tout ça pour que le scotch ne colle pas trop fort et vous tue au moment où vous allez le retirer. Donc vous mettez ça partout sur la paupière, mobile et le reste, même en ratine inférieure. Donc comme je vous ai déjà dit auparavant, hein, moi il faut absolument que je mette une base colorée pour faire popper les couleurs parce que avec mon teint, vous estompez un peu les extrémités. Hein. Voilà. Donc en premier avec mon 239, et vous mettez pas de Fix Plus parce que ça c'est un conseil que je vous donne, c'est que pour les fermates, n'utilisez jamais de Fix Plus sur vos pinceaux parce que ça peut les faire, enfin vous voyez cette espèce de blocage comme ça que vous avez, vous n'arrivez pas à prendre votre fard à paupières, c'est horrible quoi. Donc vous prenez la couleur jaune mat, la plus jaune de chez MAC, c'est Chrome Yellow, donc c'est un mat. Et donc vous mettez ça partout au coin interne supérieur et coin interne inférieur. Donc je monte jusqu'ici, hein. Donc juste cette partie là. Et en dessous. Voilà, ensuite je vais prendre la couleur verte de chez MAC. Et donc je sais pas si c'est un pro, je pense que c'est un pro, je sais plus, ou si c'était une collection limitée. C'est la couleur lime, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Vous avez une couleur qui est presque similaire, mais c'est bitter, donc bitter, mais c'est pas un mat, c'est un peu... Voilà, je sais pas si vous pouvez le voir, mais... Donc je vous mettrai la texture du glitter parce que je le sais, je le connais plus. Donc vous voyez, ils sont quasi pareils, hein, mais donc lime est mat. Et donc vous allez le prendre et l'appliquer sur tout le reste de la paupière mobile. Ils sont vraiment faciles à travailler, j'adore quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un peu dans le jaune et retourner mon pinceau jaune, essayer de en fait faire fondre le jaune et le vert. Également en montant comme ça. Et alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller comme ça pour les couleurs. Donc pour le jaune, hein, vous pouvez voir de ce côté, je l'ai arrêté comme ça. Le vert, après je l'ai arrêté comme ça. Et le bleu, pareil. Donc je vais aller dans ce sens-là pour mes couleurs. 208 de chez MAC. Je vais prendre la couleur... c'est également un mat. C'est Zingy. Donc il y a une autre personne qui m'a demandé de faire un tuto avec ce fard là. Donc c'est un bleu mat. Un qui ressemble, bah, c'est Clarity. Donc vous avez Zingy ici et vous avez Clarity ici.
Ils sont presque pareils. Regardez. Donc voilà, ce sont deux mats. Ouais. Donc je vais faire un cut de crease avec Zingy. Et donc avec mon pinceau 266, je vais prendre toujours le Zingy, juste sur la pointe de mon pinceau. Et donc je vais estomper. Normalement juste avant, j'ai mis mon fard à paupières jaune de chez MAC et c'est le Going Bananas. Donc c'est un d'une collection également limitée, c'est celui-ci. Donc vous en avez plusieurs hein, qui ressemblent, enfin qui ressemblent pas nettement, mais vous pouvez, c'est juste pour l'utiliser en highlighter, pour pas prendre de quelque chose de trop clair, pour faire un peu revenir également le jaune que j'ai mis en coin interne ici. Donc je vais mettre Going Bananas ici. Voilà, je le mets avant pour mieux l'estomper en fait. Voilà, donc je reprends Zingy. Je tapote toujours. Et je l'applique juste ici. Et comme je vous ai dit, en diagonale. Donc n'ayez pas peur d'utiliser le pinceau à plat. Je vais quand même prendre le fard Prussian, donc c'est celui-ci de chez MAC. Donc un qui est plus ou moins pareil, vous pouvez utiliser aussi bleu noir ou contraste. Donc quelque chose de pas trop irisé pour retracer un peu ce cut de crease. Et ce que je vais faire, je vais le faire estomper en externe un peu. Enfin, estomper. Je vais le tirer en fait, toujours avec le même pinceau. Voilà. Comme ceci. Prendre le liner de chez MAC, c'est le Blue Deep. Blue Pep, pardon. Blue Pep. Et donc, c'est une couleur comme ceci. Et donc, ça reprend en fait la couleur du bleu. Hein. Ça fait rappel. Et donc, j'ai remarqué qu'en fait, celui-ci est vraiment sec. Il faut chaque fois que je mets du fixe plus dessus, mais c'est pas la meilleure. Voilà. Je vais reprendre mon 239 et le vert, le lime. Hein, et je vais le mettre au milieu de ma... de mon ras de cils inférieur. Voilà. Du bleu. Ted, donc c'est celui-ci, un vert de chez MAC, le Minted, et je vais le mettre en colle, hein, dans la muqueuse. C'est un beau vert. Ma préférée de chez MAC en vert, c'est le Minted et le Forever Green. Ils sont vraiment beaux, quoi. Je vais utiliser le Naughty and Lash. Ok,
le grand embout pour un maximum de volume. La poudre de une Natural Beauty que j'ai reçue d'un ami qui travaille dans une agence de mannequinat. Et donc ensuite en rouge à lèvres j'ai utilisé le Lustering en un rose corail un peu pas un rose trop flashy. Et donc ensuite en poudre contour j'ai utilisé le Vintage Grape de chez MAC avec mon pinceau 138. Voilà, donc voici Christine, j'espère que tu aimeras ce tuto. Bonne soirée à toi et n'oublie pas de rajouter quelques petits accessoires, des petites fleurs ou papillons ou autres. Hein. Également un peu de vert en vestimentaire ou bleu, enfin pour faire un peu ressortir ta personne. Allez, bisous, ciao ciao.